Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour nos amis Gémeaux pour la période tout simplement de la semaine du 15 mai. Alors, si vous vous souvenez, on avait vu quand on avait fait le tirage pour le mois que sur la période du 15 au 25 mai, on avait l'ermite. L'ermite, vous le savez, c'est la lame qui invite au lâcher prise, qui invite à prendre du recul, à ralentir. Pour ceux qui peuvent, en tout cas, ce serait éventuellement de se mettre au vert, se mettre en retrait, prendre un peu de temps pour de la méditation ou pour certains tout simplement des vacances. Je pense que voilà, c'est un moment où vous avez besoin de souffler. Tout simplement, je pense que vous avez beaucoup, beaucoup fait des choses les derniers temps et là, vous avez besoin tout simplement de repos et de calme. Maintenant, ce qui est important, amis Gémeaux, sachez qu'à partir du 21, le soleil va arriver chez vous. Donc, à partir du 21, vous allez regagner une part de confiance en vous, une part de positivisme. Vous allez vous sentir plus heureux, plus léger pour un mois. Donc, voilà. Donc, sachez que c'est la semaine, un petit peu de préparation à cette arrivée du soleil dans votre signe. Alors, maintenant, justement, si on regarde ce qui pourrait arriver pour vous, donc au niveau affectif, financier et professionnel. Donc ça, c'est l'affectif, le financier, le professionnel. Et enfin, on regardera après l'atout. Alors, au niveau affectif, hein, encore une fois, hein, on insiste sur l'ermite. Je pense que vraiment, vous avez besoin de repos, repos, repos. Vous n'êtes pas au bout du rouleau, mais limite, hein, on a quand même deux fois l'ermite. C'est vraiment l'indication d'un besoin de lâcher prise totale. Donc, soignez-vous, prenez soin de vous. Surtout, prenez soin de vous. Je pense que c'est très important. Vous avez besoin de vous poser, de prendre du recul. Vraiment, stop. C'est tout. Hein. Essayez de penser à vous. Maintenant, en ce qui concerne donc le domaine, on va dire, financier, on est sur l'amoureux. Alors, je pense que vous avez une période peut-être un petit peu difficile. Les derniers mois, là, vous avez envie de vous faire plaisir. Donc, les amoureux dans les finances, c'est vraiment les notions de se faire plaisir. Donc, évidemment, faites-le. Essayez à votre niveau de vous faire plaisir. Mais évidemment, ne dépensez pas plus que ce que vous souhaitez. Mais vous voyez, je comprends, vous avez besoin, après une période compliquée, enfin de penser à vous et justement de vous faire un peu plaisir. Et c'est normal. Maintenant, en ce qui concerne donc le professionnel, certaines choses vont repartir d'elles-mêmes. Je pense que les derniers mois, des choses étaient mises en sommeil, des propositions de travail n'arrivaient pas. Et là, enfin, vous allez voir que vous repartez dans une dynamique extrêmement plus positive que celle que vous aviez eue les mois derniers. Maintenant, donc, au niveau de l'atout, alors l'atout, on va le voir, c'est les oracles des portes de l'intuition. Hop, le miroir. Alors, le miroir, c'est votre vie d'un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Cette période est plus une période propice à l'introspection, au recul, vraiment au fait de faire une espèce de petit bilan de votre vie. Je pense que les éléments vont tous dans ce sens-là. Vous allez être obligé de vous mettre sur pause quelques jours, éventuellement, pour pouvoir faire un bilan. Voilà, bon, en tout cas, vous risquez d'être bien entouré. Hein. L'amour indique quand même que vous êtes une période où on va vous soutenir, vous aider. Et ça se passera donc le mieux possible. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite donc une bonne semaine et je vous dis à très très bientôt.